Mais j'ai arrêté mes études dans les années 80 parce que au début de les années 91, 92, j'ai fait mon service militaire. Et après, c'est en 96 que je suis rentré dans la société CRK en tant que chauffeur. Je suis toujours dans la même société, cela fait 20 ans maintenant que je suis dedans. J'ai eu des expériences sur le terrain avec les anciens chefs à cette époque-là. J'ai gravi un peu les échelons, j'étais chauffeur de camion, après police, puis par la suite, on m'a demandé de faire des chefs d'équipe, après par la suite aussi chef de mine. Et à partir de chef de mine que j'ai fait un peu de formation après, sur le management. On appelle ça le management de proximité. Et aujourd'hui, je gère deux équipes sur mine, dans 8 bonhommes dans chaque équipe, avec 2 chefs d'équipe, dont 2 adjoints ci-dedans. Ça a porté ses fruits au bout de ces 20 ans que j'ai travaillé dedans. C'est un peu de tout, du courage, puis la volonté de démontrer aussi que nous, les gens du Nord, on est capable de travailler dans notre société, parce que c'est une société qui, dont les actionnaires minoritaires, c'est les gens de la région, des coutumiers de Calagomène, de Moyenne, un peu partout. Je suis très fier parce que je suis unique. Mes parents m'ont quitté très 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 jeune. J'étais élevé par mon grand-père, je n'ai pas de frères et sœurs, je me démerdais tout seul. Aujourd'hui, je suis arrivé là où je suis par la force du travail. Thank you.